What's up, guys? De retour, comme une heure après avoir fait la réaction de BTS Life Goes On. On m'a envoyé des messages sur la vidéo YouTube pour me dire que ce n'était pas la vidéo officielle. Il y a trop de vidéos de BTS. Je suis vraiment désolé. Il y a eu tellement de vidéos pour différents vidéoclips. On m'a même dit que celui-là de Savage Love, c'était probablement pas le vrai. J'apprends à connaître le groupe, j'essaie de m'informer, mais il y a tellement de choses qui sortent sur eux que ça vient vraiment... c'est déstabilisant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est en primeur ou qu'est-ce qui n'est pas vrai ou qu'est-ce qui est vrai. Je dirais que c'est même un négatif pour eux d'un sens parce que, vous voyez, moi, je croyais que c'était ça le vidéoclip, j'en ai fait une réaction, mais j'en étais déçu. J'étais comme, ah, c'est vraiment ça que c'est le vidéoclip qu'ils ont sorti. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus gros. Mais c'est parce qu'il y a des. Il appelle ça des B-roll ou whatever. Il y a différentes versions. Moi, je crois qu'il devrait juste s'en venir à une version. Pourquoi en faire plusieurs? J'en ai aucune espèce d'idée. Négatif pour moi. Bref, ça fait pas le groupe moins pertinent ou pas. Mais là, on m'a envoyé grâce à une personne abonnée sur ma chaîne, elle m'a envoyé le bon vidéoclip. Fait qu'on va vraiment regarder à nouveau la chanson et le vidéoclip. Puis je vais peut-être être un petit peu plus impressionné. Donc on y va tout de suite. OK. En partant, ça semble déjà mieux. Tu sais, il semble avoir une histoire. Déjà là, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pourquoi ils sont toujours dans leur chambre? Dans Dynamite, Jungkook il est dans sa chambre au départ. Il est encore dans sa chambre là. Puis c'est même pas la même chambre. Il y a combien de chambres, lui? Wink, wink. Bon. On comprend beaucoup plus maintenant la chanson. Je comprends beaucoup plus là. Ça fait tellement plus de sens. Je suis tellement content finalement que le vidéoclip est beaucoup plus complet. Alright, my boy Sugar, on le voit comme faux, je suis tellement content. Wow! Wow! Finalement, le clip est tellement... Il est sympathique, il est touchant même, parce que c'est le fun, on les voit, c'est une famille ces gars-là, on s'entend, ils s'aiment beaucoup comme des frères, ou peu importe si c'est des frères ou même... Peu importe, je veux pas rentrer là, je veux rien assumer pour eux. Ce que j'aime, c'est qu'on voit... On n'a pas analysé les paroles de la chanson beaucoup, mais on comprend déjà si ça parle beaucoup probablement de eux ensemble, comme je viens de dire, de leur famille, ou peu importe, mais ça parle beaucoup du groupe, c'est vraiment touchant. Puis là, maintenant, on a différentes scènes qu'on comprend un peu plus, c'est très, très nostalgique comme vidéoclip, ça vient beaucoup me chercher, la raison de mon nom, Nostalgian, j'adore ça, on continue. Ooh.
Je le disais dans le vidéoclip, J-Hope, encore là, je trouve qu'il vole la vedette. Suga et J-Hope, dans cette vidéo-là, encore là, même si c'est pas la même vidéo, je dois avouer que c'est eux qui se démarquent dans la vidéo. Je sais pas, c'est eux qui viennent me chercher, c'est eux qui viennent plus toucher, peut-être plus me toucher émotionnellement dans la chanson, dans la façon qu'ils se démarquent dans la vidéo. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, c'est ça. Tandis que, admettons qu'on retourne dans l'autre vidéo que j'avais fait de Dynamite, je trouvais que c'était Jimin et Jungkook qui venaient beaucoup plus me chercher. Mais encore, qui est beau de même? Personne. Comme, je sais que je me répète, mais... OK, vous allez me dire, oui, mais là, ils ont eu des chirurgies, ils ont eu du maquillage. Et je m'en fous, mais moi, du maquillage comme lui, puis je regarde pas de même par la tête. Là, j'ai de la barbe, j'ai... Oui, OK, je suis plus vieux qu'eux, là. Il y a quoi, lui? Une vingtaine d'années, parfait. J'ai peut-être 10 ans de plus que lui. Pareil, hein? Les filles, vous êtes gâtées, là. Ou les gars, peu importe, n'importe qui. Pour 2 secondes, je pensais que c'était Jimin. Pour 2 secondes. Jimin, my boy. Check ça. Check ça, Jimin. Je suis désolé, je sais que je coupe souvent la chanson, je suis désolé, je dois vous avouer quelque chose, les fans de BTS, V est mon moins favori. Je ne sais pas pourquoi, il ne vient pas me chercher. V n'est pas... j'apprécie son art, j'apprécie la personne qui est dans le groupe, mais pour moi, c'est clairement mon... En anglais, on va dire mon least favorite. C'est la personne que je trouve qui se démarque le moins dans le groupe. Je veux pas recevoir de pierre, c'est juste mon opinion. Est-ce que j'apprécie quand même l'artiste en tant que tel, OK? Wow! OK, là on parle. Là, on parle... on parle d'un vrai vidéoclip, là. On va s'entendre. C'était exactement ce que je voulais comme vidéoclip. C'est pas mal à ce que je m'attendais. Quand j'avais vu des bandes-annonces ou peu importe, ils ont sorti beaucoup de pubs. Ils ont sorti beaucoup de pubs pour ce vidéoclip-là. Puis j'étais comme, ah, je pense que ça va être bon. Puis je pense qu'on s'en va voir quelque chose de nostalgique. Puis quand j'ai vu la première, si vous allez voir la première vidéo que j'ai sortie un peu plus tôt aujourd'hui, j'étais déçu. J'étais comme, mais c'est quoi? Ça n'a pas rapport, le lit n'a pas rapport. Mais en même temps, là, je comprends, en voyant le vidéoclip là, je comprends l'autre, le deuxième vidéoclip qu'ils ont sorti. Puis là, parce que probablement qu'ils vont sortir d'autres, je crois. Est-ce que je me trompe? Peut-être, mais je serais pas étonné qu'ils sortent d'autres vidéoclips dans différentes, comme, dans différents lieux, peut-être de la maison, peu importe, pour démontrer un peu... qui cohabitent ensemble. Peu importe, je sais pas. Peut-être que j'extrapole puis je vais beaucoup trop loin, mais je crois beaucoup que ça peut être ça. Bref, excellent vidéoclip. Vraiment, c'est à la hauteur de BTS. C'est ce que je m'attendais et rien de moins. Je remercie. Je veux juste aller voir qui m'a écrit pour me dire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en fait, mais Estelle Borderie, merci beaucoup d'avoir écrit comme quoi que c'était pas le bon vidéo, qui m'a envoyé le lien du bon vidéo. Merci à Save Me, it's not main MV, just second version. Thank you very much for that. I didn't know.
Et puis DB, mais ce n'est pas le MV officiel. Merci beaucoup pour ceux qui me l'ont fait savoir. J'apprécie beaucoup. J'ai refait une vidéo aussitôt que j'ai pu. Je suis allé faire ma course. Je suis encore habillé en course. Je suis allé faire ma course. Je suis revenu. J'ai vu les messages. Je me suis lancé là-dessus en espérant que vous allez apprécier et que je n'ai pas insulté personne. L'autre vidéo était quand même bien, mais n'était pas à la hauteur de ce que je m'attendais. Tandis que celui-là, c'est la vraie vidéo. Merci beaucoup tout le monde. On se reparle très, très bientôt. Et puis, ben, hey, BTS, man. C'est de la bonne musique, c'est des artistes incroyables. Merci beaucoup.